Meghan Markle enceinte, pourquoi sa première tournée sera à haut risque? Meghan Markle est enceinte. La duchesse de Sussex et son époux le prince Harry ont annoncé, ce lundi 15 octobre, cette grossesse tant attendue. L'ancienne actrice accouchera au printemps 2019. Malgré cette très heureuse nouvelle, elle a choisi de ne pas annuler son prochain engagement royal, un voyage en Australie, Nouvelle-Zélande et dans les îles Fidji et Tonga. Sa toute première tournée officielle, qui présente pourtant quelques risques. Les îles Fidji et Tonga, dans l'océan Pacifique Sud, subissent en effet une épidémie de Zika. Transmise par les piqûres de moustiques, se révèle particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes. Si une personne contracte le virus pendant sa grossesse, des malformations peuvent apparaître chez l'enfant. Au point que les médecins recommandent de ne pas tomber enceinte pendant 6 mois après une potentielle exposition. Malgré le danger, Meghan Markle tient à honorer ses engagements royaux. L'épouse du prince Harry sera certainement au centre de toutes les attentions, et protégée avec soin afin qu'elle ne prenne en réalité aucun risque. Le couple s'envole pour l'Australie notamment pour célébrer les Invictus Games, compétition sportive réservée aux blessés et invalides de guerre, créée par Harry.